j'habite les tableaux, je vais les acheter normalement. Vous voulez que je parle ? Moi, j'étais dans la salle, je voulais vous assurer que vous voulez quoi de plus ? Je ne sais pas, mais je ne peux pas croire à cela, en tout cas. Exactement. Bastette. Non, Bellasta. Je crois qu'il m'a donné son nom. Je lui ai donné mon nom, il m'a donné son nom. Mais c'est un nom très compliqué pour moi. Je l'ai pardon. Qui fait tout passe-passe comme ça partout? Qui fait croire en superstition? Les morts sont morts. Ça va? Faut-il aller chercher les objets? Je l'ai vu de la peau comme ça, des fois. Ah, puis alors, ça pue à 15 mètres. Tu penses que c'est à feu sondé dans ce machin-là, je ne veux pas savoir. C'est pas des choses à feu sondé. C'est pas mon problème. Vous ne laissez pas tirer sur votre commis. Et si moi je tire sur vous? On se demande, vous voulez faire ça dehors? Allez, allez-y. Vous n'allez pas frapper un vieux? Je vais pas frapper un vieux. Je vais laisser tirer sur une momie. On peut savoir ce qui se passe, messieurs? Il y a une momie qui marche dans un couloir, mais tout le monde est taré dans cette baraque! C'est un acteur, c'est sûrement une... Un acteur? Mais vous êtes complètement dingue! Que je vous apprenne pas à vous, hein! Vous êtes complètement taré, la Lux, hein! Il y a une momie, on me dit qu'il y a une momie qui marche dans un couloir, on veut l'arrêter, et lui, ça l'amuse! Et vous postulez pour ces gens-là? Moi, je viens de découvrir la Lux, hein. Non, mais monsieur, il faut partir, hein. Faut pas rester avec ces gens-là, hein. On va parler avec Chalandon. Ils sont complètement tarés, hein. Faut pas qu'ils restent là, ces gens-là. C'est en cours d'essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est pas en lui tirant dessus que ça va faire quelque chose. T'as combien de balles de 12? Non, parce que là, on va en faire une tasse soir, hein, si elle sort pas. Arrêtez de tirer dessus. Bon, donc vous la sortez. Vous la mettez quelque part, vous la sortez de chez moi. Là, il est en train de courir sur votre résigne. Il est déjà mort. Ah non, il est quand même très vivant là. Il est mort et vivant. Il a l'air mort. Je crois qu'il est mort. Il vous laissez mourir sur votre fauteuil. Vous l'avez interrogé plutôt que gueuler. Enfin, j'essaie de discuter avec lui tout à l'heure. Mais si vous lui tirez dessus, ça marche pas. Mais moi j'ai pas tiré dessus. Par contre, je sais qu'il effraie un peu les habitants. Vous savez à qui vous parlez? Oui, quelqu'un qui peut pas se venir blesser. Non. C'est le propriétaire de ces lieux. Un peu de respect s'il vous plaît. Je le respecte. Sinon c'est dehors. Alors, madame, dehors. Lui, dehors. Voilà, lui, dehors. Allez. En échange du couteau. Ça tâche en plus, ces choses-là. Vous virez votre truc de monstre de chez nous. Ça suffit maintenant. Il y a un homme dans la main et ça ne fait pas à personne. On a bien reçu son deck, on peut lui mettre une balle. Dehors. Faut pas rentrer, monsieur. Faut pas rentrer, monsieur. Non, monsieur, arrêtez, monsieur, faut pas rentrer. Affirmer que votre petit personnel m'a affirmé être sécurisé, être à mon nom, et qu'il n'y a que moi qui pouvais y avoir accès. On a fait des pieds et des mains pour y avoir accès d'ailleurs, parce que personne ne voulait nous laisser passer, parce que c'était pas moi tout ça. Vous savez que c'était vachement sécurisé. Tellement sécurisé qu'il est plus là. Si vous êtes assez naïf, à 31 ans, âge plus que mature, de penser qu'il y a des choses ultra sécurisées, vous êtes bien naïf. Juste, ça fait peur au personnel. Et alors moi, ils passent leur journée à nettoyer les nappes. Ça devient très compliqué, très compliqué. Vraiment. Et non, elle ne mange pas. Non, elle ne mange pas à table. Alors excusez-moi. Les seules personnes qui donnent des invitations ici, c'est Monsieur Chalandon et Madame Crawford. Alors, ma momie était bien spécifiée dans la présentation que je devais faire. Et vous êtes à ça de perdre votre place dans cette table. À ça. Oh là, mais elle m'a frappé. Oui. Donc il nous offre là, je pourrais le laisser prendre comme à lui-même. Madame. Ah,
Ah, monsieur. Je vais vous demander de me suivre. Je ne sais pas faire, il y a un homme de loi qui est dans la pièce. Alors, je ne vais pas encore le frapper parce que pour l'instant, il n'y a pas non plus de policier. Ça, non, il ne faut pas frapper un policier qui, même s'il abuse de son pouvoir. Et même s'il a une sale gueule. Et même si c'est un flic pourri. Suivez-moi. Dernière nouvelle, elle est montée. Les gens aiment la momie. Apparemment, elle veut récupérer. Ils sont crédules complètement. Non, mais ils veulent apparemment récupérer ses bijoux qu'ils ont mis en sécurité au dépôt. Cette domestique est morte il y a quelques temps. Maintenant, est-ce que son meurtrier est là? Je serai son meurtrier, je ne reviendrai pas là aujourd'hui sur les lieux de mon crime. Un verre de cordial, s'il vous plaît. Toi, Bastet. On va s'en occuper. On va s'occuper de Bastet, on va essayer de... Tiens, prends ça, ma fille. Ça peut te servir. Voilà.
J'entends. Je dis que c'est parce que c'est. Ouais.